Ah bah ça commence mal. J'ai foutu un de ces bordels sur l'autoroute. Ah c'est comme ça quand on se gare n'importe comment et qu'on laisse tourner le jeu pendant qu'on est en train de faire le montage de la vidéo. Oh, regardez-moi le foutoir. En plus, il y a carrément des mecs qui sont emplafonnés. Ils ont bousillé une moitié, une partie de la glissière de sécurité. Ah, ça m'était pas arrivé depuis un moment. J'avais pas bloqué autant de bagnoles sur l'autoroute depuis un certain temps quand même. Ah, c'est quand même un peu le foutoir. Aïe, 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 aïe. Ah, je sens que je vais me prendre un PV là. À mon avis, ça va coûter cher. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. On va faire juste un petit tour. Vous savez que j'aime bien, malgré le fait que ça fait déjà un an que le jeu existe, j'aime bien encore tester des trucs. Et un truc que je fais pas assez souvent, malheureusement, ce sont non seulement les championnats de manière générale. Bah, le faire en solo, c'est facile. Le faire en coop, on le fait de temps en temps quand on est en live. Mais en JCJ, je le fais trop rarement. Et là, il y a une course communautaire. Elle est absolument magnifique. Vous avez sans doute déjà fait cette course pour terminer l'intégralité des épreuves de cette nouvelle saison. Ça, j'ai confiance, vous l'avez déjà faite à mon avis, mais on va la refaire, et on va la refaire en JCJ, et ça va être top. Pour ça, il va falloir prendre la bonne voiture, une petite Honda, un petit Trophy Truck Barra Ridgeline, qui est absolument génial. C'est une machine de guerre, bien sûr, à condition que la machine soit bien réglée. Alors, du coup, ce véhicule-là, il y a un petit réglage de notre ami Luc, qui a déjà été utilisé, que j'ai déjà fait en solo, qui a été testé en coop. Il est testé, il est approuvé, cette voiture, c'est juste une tuerie. Regardez-moi, regardez-moi la map. Si vous avez bien fait gaffe, regardez à quoi elle ressemble. C'est absolument démentiel. Le mec qui a fait ça, je pense qu'il avait un petit grain, mais en tout cas, il a dû bien s'éclater. Donc, le but du jeu, quand on fait cette course en JC, c'est d'avoir un maximum de monde. Regardez bien le nombre de joueurs au départ de la course et vous allez voir, à l'arrivée, on va pas forcément être très très nombreux. Alors c'est parfois un petit peu risqué, hein. Je suis d'accord avec vous, il y en a qui démarrent peut-être un petit peu plus vite que d'autres. Bien sûr, moi si je me plante pas dès le départ, et ben c'est pas trop fun, mais attention, ce n'est que le début de la course, on est qu'à 13%. Les 100% sont encore très très loin et déjà là, on voit qu'il y a quand même déjà des joueurs qui quittent. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est qu'effectivement, il y en a qui commencent à quitter alors que la course n'est même pas terminée. Et qu'en plus, c'est un championnat. Donc, il y a trois courses. Trois courses. Et pour ça, il ne faut pas oublier aussi qu'on a attendu le matchmaking. J'ai eu pratiquement 3 minutes. 3 minutes avant de pouvoir lancer la course. Donc ça, c'était juste le chrono de départ. Et ensuite, il y a encore eu le matchmaking, histoire que tout le monde soit bien là. Alors si déjà, t'attends 3 minutes, mais au moins, tu vas jusqu'au bout, au moins de la première course. Regardez-moi ça, on n'est pas à la moitié de la première course. On n'est plus que 4 joueurs. C'est un truc de dingue. Et je suis deuxième. Franchement, cette bagnole, elle est hyper efficace. Le réglage est topissime, à condition, bien sûr, de faire des courses cross-country qui sont vraiment, vraiment adaptées à ce genre de voiture. Mais franchement, c'est excellent. Et voilà, on n'est plus que 3. Il y en a encore un qui a quitté. Mais arrêtez les mecs, arrêtez. C'est un championnat. Même si vous perdez la première course, vous pouvez vous rattraper. Peut-être durant les 2 suivantes. Donc il faut pas quitter comme ça, quand même, malgré tout. Tenez bon, tenez bon. Bon, là je vais essayer, bien sûr, de rusher. L'objectif, c'est vraiment de terminer premier sur le championnat parce que ça rapporte beaucoup. Ça rapporte 100 000 pour la première place, plus 50 000, ça fait 150 000 crédits pour une simple course. Et en plus, personnellement, je trouve que les courses communautaires, c'est un très très gros plus. On l'avait pendant longtemps, ensuite ils l'ont enlevé, ensuite ils les ont remises. Et alors, c'est sûr que dans certains cas, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, on en a longuement discuté sur le Discord, mais je trouve, pour ma part, qu'elle est plutôt fun. Et là, effectivement, 3 à l'arrivée. 3 à l'arrivée uniquement. La deuxième course, je l'ai totalement foirée. La deuxième course, j'ai même pas terminé dans les temps, donc j'ai vraiment foiré totalement cette deuxième course, mais je vais me rattraper sur la troisième. Il n'y a que 2 points d'écart avec le premier et je vais vraiment me rattraper. Cette dernière course, elle est absolument démente. Franchement, il y a des passages. Bon, vous l'avez sans doute faite. Si vous ne l'avez pas faite, franchement, allez-y parce qu'elle est exceptionnelle. Faites-la en solo, faites-la en coop, faites-la en JCJ. Très clairement, je pense que c'est vraiment une des rares courses, un des rares championnats qu'il faut vraiment faire de toutes les manières possibles parce que c'est extrêmement fun. Et je peux vous garantir que si vous avez un petit niveau pas forcément exceptionnel, vous prenez cette voiture et
ça vraiment, vraiment, ça va beaucoup vous aider pour terminer parmi les premiers, voire terminer le premier de cette course. Regardez-moi le passage, regardez-moi ce passage par ici. Il y a ensuite, tu te dis, oh bah ouais, ça va être relativement cool, mais non, il y a toujours un point de contrôle qui est placé de manière complètement saugrenue, pour pas dire autre chose, et tu te fais doubler. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Heureusement, heureusement, comme dit, que la voiture, elle a quand même pas mal de pêche, qu'elle accélère. À la fois, elle accélère vite, elle est rapide, elle a une très bonne stabilité. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt bien. Et bon, après, c'est sûr que les points de contrôle sont parfois relativement un petit peu trop cachés. Hein. Parfois, derrière les arbres, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Je suis d'accord, mais vraiment, il y avait longtemps que j'avais pas pris autant plaisir à faire un championnat communautaire. Je pense que le dernier, c'est quand on devait gagner la Jeep Wrangler, la première fois qu'elle était de sortie. Et il y avait pareil un championnat communautaire dans la forêt qui était de toute beauté. Celui de la semaine dernière, je peux pas en dire autant. Bon, j'espère que vous le testerez, comme dit en JCJ. Ça permet vraiment de voir à la fois le type de bagnole que les autres peuvent utiliser et voir également le niveau qu'on peut avoir, très clairement. Voilà, franchement, très très clairement. Donc moi, je trouve que c'est un bon moyen pour rajouter encore du fun sur ce jeu. Même si ça fait un an qu'il existe, il y a encore des choses à faire, comme vous pouvez le voir. Et puis surtout, il y a encore beaucoup de crédits à gagner. Après, je sais. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va foutre de tout ce pognon? Je suis d'accord avec vous. Surtout que maintenant, en plus, quand on fait des tirages, eh ben, on peut revendre directement les bagnoles. Donc ça fait encore des sous en plus. Ouais, je sais bien. Bah écoutez, dites-moi déjà si vous avez pris plaisir à faire ce genre de course. Comme dit, en JCJ, peut-être voir en coop. Et puis, si vous avez une solution pour les crédits, moi je suis preneur. Vous me direz vraiment si on peut en faire quelque chose. Allez, portez-vous bien, amusez-vous bien. Ah, ciao.